Salut à tous, c'est Mathieu de Flight Sim Liberty. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, direction l'aéroport. On va retrouver en fait un ami à moi qui est franco-japonais, Myuji. Donc, Myuji, pour la petite histoire, j'ai rencontré grâce à Louis-san. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait des apparitions dans les quelques vidéos de Louis où en fait il parlait des franco-japonais. Donc, Myuji en fait est franco-japonais. Et il s'est avéré qu'en fait, on a trouvé une passion commune qui est l'aviation. Donc Myuji a 17 ans aujourd'hui et en fait, son rêve, c'est de devenir pilote de ligne. Donc il est en train de passer son PPL. Et donc, il m'avait proposé de venir me voir sur Rouen à l'occasion de sa grande nave pour son passage de PPL dans le cadre de ses heures de vol de PPL en solo. Donc on va le retrouver à l'atterrissage. Donc le temps n'est pas top aujourd'hui, mais je crois qu'il a dû réussir à décoller quand même. Malheureusement, on ne pourra pas voler ensemble puisque aujourd'hui moi j'avais pas beaucoup de temps. Et Myuji aujourd'hui, étant donné qu'il est en train de faire ses heures de vol solo, évidemment il n'est pas encore breveté, donc il ne peut pas emmener de passagers avec lui. Donc, mais on aura d'autres occasions où certainement on le reverra. Il viendra certainement tester le simulateur. Et on fera certainement un petit vol tous les deux. Voilà, ça peut être sympa de suivre un peu son parcours. Voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Si ça vous intéresse pas, vous me dites rien. Voilà, je ferai plus. Donc on va retrouver Myuji tout de suite à l'aéroport où je vais l'attendre et peut-être même le parquer normalement. Donc voilà, à tout de suite. Myuji, là, il fait un peu froid, il y a un peu de vent, là, un beau Cessna, mon petit India Sierra là qui attend derrière. Donc là, il devrait pas tarder à arriver, là, je l'ai entendu à la radio, donc je suis en veille là pour avec mon petit récepteur VHF pour l'entendre arriver là. Donc il devrait pas tarder. C'est pas mal. Bon. Pas mal. Vu sur le tarmac en plus, ouais. Des frites. Des bonnes frites, un bon burger. Super. Autre chose. Franchement, je conseille pour les pilotes qui viennent à Rouen. Excellent. On va faire des vlogs sur les restaurants des aéroports maintenant. Voilà, première fois que je monte dans un DR400. Allez, c'est parti. C'est complètement différent du Cessna. Il faut être un petit peu contorsionniste. Voilà. On est bien là. Voilà. C'est parti. Bon alors Myuji, merci d'être venu à Rouen du coup pour venir me voir. Rien, merci pour le repas. Écoute, c'était super bon, très cool. On a bien mangé pour un resto d'aéroport. Tu m'as dit que tu voulais être pilote de ligne. Effectivement, ouais. Et je trouve ça super intéressant en fait de vous faire découvrir un peu un jeune qui sort du lycée aujourd'hui et qui a pour objectif d'être pilote de ligne. Et pourquoi pas rentrer à l'ENAC, etc. Quoi. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu aimes l'avion et déjà de... Oula. C'est une passion qui remonte à il y a plusieurs années déjà. J'étais passionné par les maquettes, ouais. La simulation bien sûr. Puis ensuite je suis passé à la théorie, donc le brevet d'initiation à l'aéronautique.
Et puis, je suis arrivé à la pratique dans un DR400 pour passer mon brevet de base. Et après, d'accord, le brevet de base, je suis passé à la formation pratique de la licence du pilote privé, la PPL. Ouais. Et actuellement, je fais ma grande navigation. Donc, pour, d'accord. Donc, tu es passionné depuis tout petit, depuis, comme beaucoup de passionnés d'aviation, je pense. Exactement. Et du coup, tu vas où aujourd'hui? Dans quel club? Alors, Aéroclub de Compiègne-Marny, LFAD, le code OSCI. C'est une piste dure, une piste en herbe? C'est une piste en herbe de 900 mètres. D'accord. Très large, mais ça va. Ouais, ça va. Bon, c'est bien pour apprendre, quoi. Ouais. En région parisienne, c'est pas forcément facile, mais ton avenir, voilà, c'est de devenir pilote de ligne. Et du coup, c'est quoi? Quel est ton parcours idéal? Voilà. Alors évidemment, tu m'avais parlé de l'ENAC, tu peux m'en dire un peu plus du coup. Alors, donc, j'ai fait une terminale scientifique l'année dernière au lycée. Je suis actuellement en maths sup, donc en classe préparatoire de MPSI, maths physique sciences ingénieurs. Ouais. Je souhaite tenter le concours EPLS de l'ENAC, donc ouais, pilote de ligne scientifique, cette année. Et ensuite, les cadets d'Air France en 2019. D'accord. Donc, si tu rentres à l'ENAC, tu n'as pas besoin de postuler pour les cadets, logiquement. Exactement, c'est oui. Enfin, bon, c'est la filière royale. Il faudrait quand même que... C'est une voie de secours, on va dire, les cadets. Il faut être optimiste. Voilà, il y a 1% de personnes qui rentrent à l'ENAC. Donc, ouais, donc c'est quand même un niveau assez relevé. Mais voilà. Moi, je pense que tu as un bon niveau. Donc, on te fait confiance. J'espère, merci. Et c'est vrai que du coup, le fait que Muji soit avec nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est voilà, ce serait de, ce que je vous proposerais, ce serait de le voir de temps en temps, de suivre un peu son parcours. Et donc là, tu vas passer ton PPL avant la fin de l'année. C'est ça. Donc après, c'est préparation pour l'ENAC. Et puis voilà, bah, je vous donnerai du coup des nouvelles de Muji. Ça peut être super intéressant, voilà, pour les jeunes qui veulent devenir pilote de ligne, éventuellement, de suivre voilà, un jeune qui s'apprête à faire le parcours du combattant, quoi. Et du coup, tu pourras nous expliquer un petit peu le DR400, parce que moi, du coup, le DR400, c'est la première fois que je monte dedans. Et donc, ça m'intéresse de, voilà, de voir un peu les différences de mon bon vieux Cessna. Ouais, alors DR400, avion français, train tricycle, aile basse, en bois et en toile, avec un semi-diadre. Donc, les bouts sont légèrement courbés vers le haut. D'accord, ouais. Il est vieux, il n'est pas en métal, mais ça, il marche très bien. Donc, c'est une structure en principal en bois, en fait. En bois, c'est ça. Et par-dessus, ils ont mis de la toile et en métal sur les radars. C'est pour ça qu'on sent quand on touche les ailes, en fait, c'est souple. C'est flexible, quoi, hein. Exactement. D'accord. T'as combien d'heures de vol, du coup, sur DR400? Sur DR400, je dois en avoir, je sais pas, 25-30, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai volé sur Technam aussi, beaucoup. Technam, qui est une structure en métal. Et au niveau des systèmes de commande, du coup, qu'est-ce que tu as comme différence avec le Cessna? Alors, le Cessna, tout le monde connaît le yoke de Mathieu. Par contre, moi, j'ai un manche. Donc, c'est-à-dire que, voilà, donc on a l'axe de roulis, l'axe de tangage dans ce sens-là, et on a qu'une seule main et une seule contrôle. D'accord. C'est un avion école, donc il y a quand même deux manettes de gaz. Moi, j'ai l'habitude de piloter avec la manette de gaz de gauche. De gauche, ouais. Et les instruments classiques, on va dire, pas de glass cockpit. La radio qui a changé, on est passé en 833, le nouveau transpondeur, les commandes de feu. Donc là, les commandes de phare ici. Exactement. Les ça voyants. Les annonciateurs, ouais. Ouais, c'est ça. Donc pour toutes les pannes, en général, on teste. D'accord. Qu'il y a rien. Comme dans les avions de ligne, en fait. Le moteur n'est pas démarré, donc il n'y a rien. Après, c'est un avion classique, donc une pompe à essence pour remonter l'essence qui est en bas, quoi. D'accord. D'accord, sur Cessna, il y a la gravité. Non, justement, sur Cessna, il y a la gravité, mais sur l'un, on est obligé de les remonter. Donc, tu as besoin de la pompe, c'est logique. Ça. Une réchauffe carburateur pour éviter le givrage moteur. Le trimmer de tangage, qui est comme ça, ici. D'accord, c'est une petite molette métallique, en fait. Ouais. Le robinet d'essence, donc il reste toujours ouvert sur notre avion pour pouvoir percuter le démarreur qui est ici. Et tu as le choix de choisir ton réservoir ou c'est ouvert ou fermé? Il n'y en a qu'un seul ici. D'accord. Les magnétos classiques, une batterie, un alternateur. Et les commandes de volet, c'est ça qui m'intrigue moi du coup. Les volets, on a un frein à main en fait. Donc là, je suis au deuxième cran. On l'a sorti pour les passagers. D'accord. Pour faciliter la montée. Ensuite, j'ai premier cran. D'accord. Et descends. Ensuite, si je descends encore, là, les volets sont complètement rentrés. Donc, t'as deux crans de volet en fait. Exactement. C'est un avion du coup que t'aimes, enfin qui est agréable à voler, ça. Oui, très confortable, aile basse, donc c'est plutôt confortable. On voit pas bien sûr ce qu'il y a en dessous, comme on peut le faire en Cessna. Mais en Cessna, c'est en virage qu'on a plus de mal à voir. Du coup, vu que les ailes sont en haut. Bon, merci pour cette petite présentation. Merci pour l'accueil à Rouen. Bah écoute, c'était avec un grand plaisir. On va te laisser repartir. Ouais. Hein, avec ce beau temps. Donc en fait, Muji là, pour info, il faisait sa grande nave du coup avant de passer le PPL. Donc il te reste 2-3 heures, c'est ça à faire? C'est ça. Pour avant de passer l'examen. Donc on va faire 150 nautiques en triangulaire. Ouais. D'accord. Donc là, t'as fait quoi aujourd'hui? J'avais fait donc Compiègne Rouen et je pars sur Albert, l'aéroport de Méault. D'accord. À côté d'Amiens. Je précise que c'est moi, je connaissais pas où c'était.
Ok, voilà. Super. Bah écoute, super. Bah tu vas, je vais te souhaiter de passer un bon vol, un bon merci. Dernière étape. Ah, et puis, cool. Et puis, bah du coup, on va te regarder partir tranquillement. Super. Hein. Bah merci. Bah, merci en tout cas à vous d'avoir suivi la vidéo. Et puis, bah j'espère que ça vous aura plu, ce format un peu vlog, vous faire découvrir Muji. Allez, à bientôt. Salut. Excellent. À tous. À bientôt.